Yahweh va te la nuit topo. Yahweh, Yahweh, béni sa nico. Merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité. Débutons ce journal avec cet élément de la sécurité. Quelques présumés inciviques bien identifiés par la population ont été pris dans les filets des agents de l'ordre au quartier Ntélé dans la commune de Mvouzi. C'est là grâce à la mobilisation des éléments des FRDC ainsi que de la police nationale congolaise initiée par le maire de la ville de Matadi, Patinzuzi Ouamakengili. Suivez, le reportage est signé Glodino Lukano. Informé de la recrudescence de l'insécurité lors de son absence à Matadi, aussitôt rentré, le maire de Matadi, Patinzuzi Ouamakengedi, a mobilisé les agents de l'ordre avec qui ils ont passé la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre 2022 à la cité, précisément au quartier du Bouansakala en Télé, dans la commune de Nzanza, pour traquer le malfrant. Sur place, la police nationale congolaise ville de Matadi et les éléments des FRDC ont mis la main sur 6 présumés inciviques appelés Koulouna, bien identifié par la population. Parmi eux, se trouve une fille appelée la Reine Divine. Ces derniers ont été escortés jusqu'au commissariat urbain de la police au rond-point 2415. Sur place, quelques victimes sont venues charger ces inciviques. Cet enfant a agressé mon mari avec une machette. Il a même failli couper son bras. Ces assaillants ont envahi ma maison il y a quelques semaines. Les enfants les ont reconnus, mais parmi eux, il en manque un, celui qu'on appelle Benny Manzaka. D'autre part, la population s'est dit satisfaite de cette opération de grande envergure menée par les agents de l'ordre sous la conduite de l'autorité urbaine, Maître Patinzuzi Ouamakengedi. Tressailli de joie suite au retour du premier citoyen de la ville. Après plusieurs rimaires, Patinzuzi Ouamakengedi a été ovationné par les habitants de sa juridiction. Entre-temps, dans la cité côtière de Mwanda, le nouveau commandant de la police nationale congolaise a pris officiellement ses fonctions. C'était au cours d'une parade mixte police et FRDC organisée pour la circonstance. Raphaël Mabonzo, notre correspondant, nous en dit plus. Trois semaines après sa prise de fonction comme commandant de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Mwanda, le commissaire supérieur principal, colonel Foul Jean-Pierre Taboussadi, qui a présidé dans la matinée de ce lundi 3 octobre 2022 sa première parade militaire mixte police FRDC devant l'ancien bâtiment administratif du territoire. Le numéro 1 de la police de Mwanda a axé son message sur les rappels de la mission principale de la police et la prise de conscience de ces éléments. Depuis son arrivée dans la cité côtière de Mwanda, chef-lieu du territoire, plusieurs cas de vol par des bandits armés ont été enregistrés, chose déplorée par le colonel Tabou Sadiki qui demande à la population de bien collaborer avec ses services afin de mettre hors état de nuire tous ces malfrats qui dérangent la quiétude des paisibles citoyens. Protéger la population et ses biens restait la seule mission principale de la police nationale congolaise. Le commissariat urbain de Mwanda réitère son engagement de ramener et maintenir la paix au sein de la population. Mwanda, Raphaël Mabonzo, Mabanière TV. Autre actualité provinciale, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, a réceptionné des nouveaux équipements pour la Ligue provinciale de Taekwondo. C'est jeudi 6 octobre 2022 au centre de jeunes de Mikondo. Roger Misamu signe ses reportages.
À la veille de l'organisation du championnat provincial de taekwondo au Congo central, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambété, a participé ce jeudi 6 octobre 2020 à la cérémonie de réception des équipements pour la professionnalisation de cette discipline des arts martiaux. La cérémonie s'est déroulée. La salle polyvalente du centre des jeunes de Mikondo dans la commune de Mvouzi a servi de cadre pour cette cérémonie. Le président de la Ligue provinciale de taekwondo s'est réjoui de cette dotation d'équipements. ITF, c'est une jeune ligue au sein de notre province qui a commencé l'année passée à partir du mois de novembre. Et nous sommes là maintenant pour organiser notre premier championnat provincial. Comme la division des sports nous a exigé, avant de participer au championnat national, nous devons d'abord organiser le championnat provincial. Nous venons de recevoir l'expert national, le président de la commission technique nationale qui est venu chez nous au Congo central. Il nous a amené des matériels de combat parce que la taekwondo ITF a sa façon d'organiser ses combats. Nous sommes différents des autres taekwondo tels que le Wété. Nous avons notre style d'habillement, nous avons aussi notre façon d'arbitrer. De son côté, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambété, a remercié les représentants de la fédération de cette discipline en RDC pour ses équipements. Pour nous, c'est un grand honneur d'accueillir dans nos murs les représentants de la fédération taekwondo ITF. Maître Kim Futa, qui est l'ancêtre même de cette discipline des arts martiaux dans notre pays. Il n'est pas venu même réduit. Il nous a apporté des équipements. Surtout qu'en cette période, nous souffrons d'un manque criant d'équipements sportifs. Même à Mbouéla Loge, où les états généraux des sports se sont tenus, nous sommes largement appesantis sur cet aspect des choses. Parce que pour développer les sports dans notre pays, nous devons avoir des bonnes infrastructures, mais aussi des bons équipements sportifs. L'objectif de ces processus étant de promouvoir le sport et l'encadrement de la jeunesse au Congo central. Tournons des pages pour parler de la santé dans ce journal. Dans l'objectif de réduire les taux des cas du cancer du sein, le mois d'octobre a été dédié depuis 1985 à la sensibilisation sur cette pathologie. Suivez les causes et préventions de cette maladie dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. Sur initiative de Mme Evelyne Loder, ancienne patiente du cancer du sein, le mois d'octobre est destiné à la sensibilisation de la maladie du cancer du sein. Octobre Rose est une campagne mensuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage de cette pathologie. Ce programme a été instauré en 1985 dans l'objectif de réduire les taux des cas du cancer du sein. Cette maladie est la plus diagnostiquée chez les femmes à travers le monde, autant avant ou après la ménopause. La maladie du cancer du sein à plusieurs origines. Très souvent, ce sont des abouchements des canaux mammaires ou lactophores. Et c'est là où ça sera abouché. Cet abouchement-là peut entraîner une mauvaise prolifération des cellules cancéreuses. Quand ça vient, c'est très souvent inactif et il sera activé par les hormones, qui sont les hormones très souvent en masse chez la femme, entre autres l'œstrogène et le progestérone. Il est possible de prévenir cette pathologie. Le dépistage est l'un des moyens efficaces. Le dépistage qui commence déjà quand les filles atteignent leur 18e âge ou leur première règle. Normalement, dans des pays très développés, à cet âge-là déjà, on arrive à faire le dépistage par une mammographie. Nous conseillons à nos mamans de conseiller à leurs enfants à cet âge-là, la première ou quand ils vont commencer à avoir leur ménarche, de toujours palper leurs seins pour arriver à les dépister aussi. Parce qu'à la palpation des seins, à moindre petite masse, l'enfant doit arriver à communiquer. Signalons que ce programme vise les dépistages précoces. L'association Riban Rose, initiatrice du programme, a mis en place sa campagne de sensibilisation sous le thème « Devenez l'héroïne de votre vie ».
Parlons cette fois-ci de l'éducation. La journée internationale de l'enseignant, commémorée chaque année le 5 octobre, a été célébrée cette année 2022 sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Cette journée vise la sensibilisation sur l'importance et le rôle des professionnels de la CREE dans les systèmes éducatifs. Les commentaires avec Mamine Boudi. Suivez. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant célébrée chaque 5 octobre de l'année. Cette journée a été instituée par l'UNESCO depuis 1994 pour commémorer la signature de la recommandation concernant les conditions du personnel enseignant qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des professionnels de la CREE. L'objectif est de sensibiliser les communautés à l'importance et au rôle crucial que jouent les enseignants dans la transformation du potentiel des apprenants. À l'occasion de la célébration de cette journée, les professionnels de la CREE invitent les collaborateurs de l'État congolais dans les secteurs de l'éducation à une prise de conscience dans l'exercice de leur métier. Nous sommes dans un service noble. Nous devons avoir cette conscience de bien encadrer cette jeunesse. Ils ont besoin d'un socle qui est l'éducation. Que les différents promoteurs de l'école puissent un peu tenir compte des formations des enseignants. Qu'on ne laisse pas les enseignants d'abord comme ça, qu'on les forme pour rééduquer ou réencadrer nos élèves, pour que les élèves aussi puissent être à la même hauteur que les élèves de d'autres contrées. De leur côté, les élèves n'ont pas manqué de manifester leur joie à l'intention des enseignants. Ce sont des personnes très importantes à ne pas mettre à part. C'est eux qui nous donnent l'intelligence. Les autorités de la nation doivent vraiment revoir, surtout en ce qui concerne leur salaire. Vous avez beaucoup contribué ici dans ma vie, vu que moi je suis ici depuis la maternelle, maintenant là je suis en cinquième. Un appel est donc lancé à l'endroit de l'autorité des tutelles pour l'encadrement et la sensibilisation des spécialistes de la CREE pour mieux assurer leur mission. Dans l'actualité sportive, différents stades de football des El Obeid du Soudan à celui du 26 mars du Mali vont abriter les rencontres de la 16e des finales de la Ligue des champions de la CAF, notamment l'opposition Viper Sporting Club contre Mazembe à Kampala en Ouganda. Suivez les commentaires avec Rivantiala. El Merir du Soudan contre Al Ahly Tripoli de la Libye, telle est l'affiche qui ouvre l'étape des 16e de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football à El Obeid Stadium du Soudan. Les listes des compétitions africaines concernent autant deux formations de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, qui se déplace en Ouganda pour affronter Vipers Sporting Club à St. Mary's Stadium de Kampala, dimanche 9 octobre, et l'association sportive Vita Club de Kinshasa, aux prises avec Rai Club Kadiogo du Burkina Faso. Rencontre prévue au Bénin, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, le dimanche 16 octobre 2022. Match reporté en cette date par la CAF, jugeant la requête de Rai Club Kadiogo recevable et fondée au regard de la situation politique actuelle au Burkina Faso. Au moment où Kadiogo et Vita Club vont en découdre pour l'acte 1, le reste des équipes engagées en Ligue des Champions seront à leur deuxième acte. Pour les 16e de finale ce week-end, 4 rendez-vous sont pointés comme des rencontres choc. Le Young Africans de la Tanzanie face à Al Hilal Omdurman du Soudan, l'Union sportive monastirienne de la Tunisie contre le Sporting Club Al Ahly d'Égypte, le Primeiro de Agosto d'Angola opposé au Sports Club Simba de la Tanzanie et enfin le face-à-face à Sek Mimosa de la Côte d'Ivoire contre Oroya Athletic Club de la Guinée. Mesdames, Messieurs, nous bouclons ce journal avec cette actualité sportive. Merci de ne pas zapper et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.